Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour suivre le voyage apostolique du pape François en Thaïlande. Il est 10h40 ici à Rome, 16h40 à Bangkok où se trouve actuellement le Saint-Père. Le Saint-Père s'apprête à rentrer dans la cathédrale de l'Assomption de Bangkok pour célébrer la messe avec les jeunes. Il a donc un petit peu d'avance, un quart d'heure d'avance environ. La procession des évêques, de très nombreux évêques thaïlandais venus pour cette cérémonie, cette procession entre dans la cathédrale. Et ce sera donc la dernière étape du séjour du pape en Thaïlande, qui en est maintenant à son deuxième jour. Il vient de se rendre à l'université Chulalongkorn, la plus ancienne université du pays, pour une rencontre avec les responsables des différentes religions du pays. Et actuellement, c'est donc une messe avec tous les jeunes catholiques thaïlandais que s'apprête à célébrer le Saint-Père, en la mémoire de Sainte Cécile, vierge et martyre romaine. Bonne fête à toutes les Céciles d'ailleurs, s'il y en a parmi nos auditeurs. J'en profite pour saluer tous nos auditeurs du réseau EWTN et de Radio Espérance. La couleur liturgique aujourd'hui est donc le rouge, attribué aux martyrs qui ont versé leur sang pour le Christ et pour l'Évangile. Les chasubles que revêtent les évêques, les prêtres et le pape ont été fabriquées par des religieuses thaïlandaises en soie, donc elles sont soie rouge et rose. Le pape, je vous le rappelle, vient en Thaïlande pour les 350 ans de la création du premier vicariat apostolique du Siam en 1669 et aussi pour commémorer l'établissement il y a 50 ans des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le royaume de Thaïlande. La Thaïlande compte 69 millions d'habitants, à 90% bouddhistes. La communauté chrétienne représente 1% de la population, dont près de 0,60% de catholiques, soit 380 000 personnes. Le pape vient donc encourager un petit troupeau. Ce matin, le pape s'est rendu dans un lieu incontournable de la foi des catholiques thaïlandais, à Samphan, à quelques kilomètres au nord-ouest de Bangkok. Il s'est rendu au sanctuaire du bienheureux Nicolas, martyr de la foi thaïlandais, et il a rencontré des dizaines de catéchistes, prêtres, consacrés et séminaristes du pays, avant une autre rencontre avec les 11 évêques du pays, qu'avaient rejoint quelques frères évêques des pays voisins. Ces religieux consacrés thaïlandais, le pape a parlé de la fécondité apostolique. Il leur a exprimé aussi sa gratitude envers notamment tous les martyrs silencieux du passé, les anciens consacrés, ceux qui ont transmis la foi aux catholiques thaïlandais d'aujourd'hui. Il les a exhortés à une plus grande inculturation de l'Évangile. Dans un pays où la religion catholique ou la foi chrétienne est souvent considérée comme la religion des étrangers. Il faut oser dire la foi en dialecte, a expliqué le pape, et ne pas avoir peur de chercher de nouveaux symboles et de recourir à cette musique particulière qui touche le cœur des Thaïs.
Voilà, on retourne dans la cathédrale de l'Assomption, où la messe présidée par le Saint-Père a commencé. Le pape a encensé l'autel de cette cathédrale. Une cathédrale dont la construction est due à un missionnaire français, mais on y reviendra plus tard, puisque le pape commence à s'exprimer. Il a béni l'assemblée. Qui maintenant entre dans le rite pénitentiel. Cette messe est célébrée en anglais et la liturgie de la parole sera aussi en thaïlandais. May your almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Cette cathédrale de l'Assomption, je vous le disais, est due à l'initiative d'un missionnaire français, le père Pascal, qui a confié ce projet à un architecte français et a commencé en 1809 à récolter des fonds en vue de la construction. L'église a été achevée en 1821 et réalisée donc grâce à des matériaux venus de France et d'Italie. Elle a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais restaurée ensuite. Et elle a longtemps été le point névralgique pour les missionnaires chrétiens du pays qui arrivaient à Bangkok. Ce n'est pas la première fois qu'un souverain pontife s'y rend, puisque Jean-Paul II avait célébré la messe dans cette église le 11 mai 1984, à l'occasion de son voyage apostolique en Corée, en Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et enfin en Thaïlande. Of 100 Saint Cecilia. Then we pray that he has been devoutly handed down concerning her, but offer us example to imitate and proclaim the wonders worked to his servant by Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. One God, forever and ever. Et maintenant commence la liturgie de la parole. Avec la première lecture prononcée donc en thaïlandais.
du livre d'Osée. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté. Et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Et maintenant le psaume 44, avec ce refrain: là où sont la charité et l'amour, là est Dieu. Ubi caritas et amor, amor Deus ibi est. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, filles de Tyr, les plus riches du peuple, chargées de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. Thank you.
Et maintenant, l'acclamation de l'Évangile. Chante Alléluia au Seigneur. Voici la servante sage que le Seigneur a trouvée en train d'attendre à son arrivée. Elle est entrée avec lui dans la salle des noces. Alléluia. Et c'est maintenant un diacre qui s'approche de l'ambon pour lire l'évangile. Prajao satit kapan. L'évangile est donc lu en thaïlandais. De l'évangile selon saint Matthieu. L'évangile est donc issu du chapitre 25 de saint Matthieu, versets 1 à 13. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาให้บรรดาศิษย์ฟัง En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Alors, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas.
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Et maintenant, le Saint-Père s'approche pour prononcer son homélie devant de nombreux jeunes venus pour cette messe à la cathédrale de l'Assomption de Bangkok. Salgamos al encuentro de Cristo, el Señor. Allons à la rencontre du Christ Seigneur qui vient. L'évangile que nous venons d'entendre nous invite à nous mettre en marche et à regarder l'avenir afin d'aller à la rencontre de la chose la plus belle qu'il veuille nous offrir, la venue définitive du Christ dans nos vies et dans notre monde. Accueillons-le parmi nous avec une joie immense et avec amour, comme seulement vous, les jeunes, pouvez le faire. Avant même d'aller à sa recherche, nous savons que le Seigneur nous cherche, qu'il vient à notre rencontre et nous appelle à travers les vicissitudes d'une histoire à bâtir, à créer et à inventer. Allons de l'avant avec joie, parce que nous savons que là, il nous attend. Le Seigneur sait que par vous, les jeunes, l'avenir entre dans ce pays et dans le monde. Et il compte sur vous pour mener à bien sa mission aujourd'hui. Tout comme Dieu avait un plan pour le peuple élu, de même, il a un plan pour chacun d'entre vous. Il est le premier à rêver de nous inviter tous à un festin que nous devons préparer ensemble, lui et nous, en tant que communauté. Le festin de son royaume, dont personne ne peut être exclu. Voilà l'homélie du pape que le pape prononce en espagnol et est aussi traduite en thaïlandais. ให้มาสถิตท่ามกลางเรา ด้วยความชื่นชมยินดี และความรักอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งมีเพียงพวกลูก ที่เป็นเยาวชนเท่านั้น ที่สามารถจะทำได้ แต่ก่อนที่เราจะออกไปแสวงหาพระองค์นั้น เราเองย่อมรู้ดีว่า เป็นพระองค์เองที่เสด็จมาเพื่อแสวงหา และพบปะกับเรา เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเราเข้าสู่ประวัติศาสตร์จึงจำเป็นจะต้องตอบสนองอย่างสร้างสรรค์และค้นคิดทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆพวกเราก้าวเดินออกไปข้างหน้าด้วยความยินดีเพราะเราทราบดีว่าพระองค์ทรงกำลังรอคอยเราอยู่ณที่นั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าลูกๆที่เป็นเยาวชนนี้ คืออนาคตของประเทศและของโลกของเราในวันนี้พระองค์ประสงค์ให้พวกลูกทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเนื่องด้วยพระเจ้าที่ทรงมีแผนการสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกย่อมทรงมีแผนการสำหรับพวกลูกแต่ละคนด้วยเช่นกันพระเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกที่ทรงฝัน ที่เชิญเรามาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ซึ่งเราต่างต้องร่วมจัดการเตรียมด้วยกันในฐานะชุมชนที่ประกอบด้วยพระเจ้า
และพวกเรานี่เป็นงานเลี้ยงในพระอาณาจักรของพระองค์ซึ่งไม่มีใครควรที่จะถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังเอวังเจลิโอ de hoy nos habla de 10 jóvenes invitadasL'évangile d'aujourd'hui nous parle de 10 jeunes filles invitées à regarder l'avenir et à participer à la fête du Seigneur. Le problème, c'est que certaines parmi elles n'étaient pas prêtes à le recevoir. Non pas parce qu'elles s'étaient endormies, mais parce que l'huile nécessaire, le combustible intérieur pour maintenir allumé le feu de l'amour, leur a manqué. Elles étaient animées d'un grand désir et d'une grande motivation. Elles voulaient répondre à l'appel, à l'invitation du Maître. Mais avec le temps, elles se sont peu à peu assoupies. Leurs forces et leurs envies se sont épuisées et elles sont arrivées en retard. C'est une parabole de ce qui peut nous arriver à nous tous, chrétiens, lorsque, remplis d'élan et d'enthousiasme, nous entendons l'appel du Seigneur à prendre part à son royaume et à partager sa joie avec les autres. Mais il arrive fréquemment que, face aux problèmes et aux obstacles, qui sont très souvent nombreux, comme chacun d'entre vous le sait très bien dans son cœur, face à la souffrance des personnes que nous aimons ou à l'impuissance devant des situations qui nous paraissent désespérées, l'incrédulité et l'amertume s'installent et s'infiltrent silencieusement dans nos rêves, nous refroidissent le cœur, nous font perdre la joie et nous amènent à arriver en retard. เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ปัญหามีอยู่ที่ว่ามีบางคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะพบกับพระองค์ไม่ใช่เพราะพวกเขาพลอยหลับไปแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้จัดหาน้ำมันสำรองซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นให้พอเพียงสำหรับที่จะรักษาแสงไฟจากตะเกียงแห่งความรักพวกเขามีความกระตือรือร้นและมีแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่พวกเขาปรารถนาที่จะตอบสนองต่อการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ทีละเล็กทีละน้อยไฟของพวกเขากลับมอดดับลงพวกเขาอ่อนกำลังลงและพวกเขามาถึงงานเลี้ยงล่าช้านี่เป็นคำอุปมาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคริสตชนทุกคนเมื่อเรารับรู้ถึงการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ให้เราเป็นส่วนใหญ่ในพระอาณาจักรของพระองค์และแบ่งปันความสุขแห่งพระอาณาจักรนี้กับผู้อื่นบ่อยครั้งที่เราประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งเราเองก็ทราบดีว่ามีมากเพียงใดเมื่อเราประสบกับความทุกข์ยากของบรรดาคนที่เรารักหรือเมื่อเราเผชิญกับความไร้ความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อนั้นความรู้สึกขมขื่นและขาดความเชื่ออาจจะค่อยๆแผ่ซึมเข้ามาในจิตใจเราและทำให้จิตใจของเราเย็นชาลงขาดความกระตือรือร้นและทำให้เราไปถึงงานเลี้ยงไม่ทันเวลาในที่สุดC'est pourquoi je voudrais vous demander, voulez-vous garder vivant le feu capable de vous éclairer au milieu de la nuit et des difficultés ? Voulez-vous vous préparer pour répondre à l'appel du Seigneur ? Êtes-vous prêt à faire sa volonté? Comment faire pour se procurer l'huile qui vous gardera en mouvement et vous poussera à chercher le Seigneur en chaque situation?
Vous êtes les héritiers d'une belle histoire d'évangélisation qui vous a été transmise comme un trésor sacré. Cette belle cathédrale est le témoin de la foi en Jésus-Christ qu'ont eu vos ancêtres. Leur fidélité profondément enracinée les a poussés à faire des œuvres bonnes, à construire cet autre temple, plus beau encore, fait de pierres vivantes, pour porter l'amour miséricordieux de Dieu aux personnes de leur temps. Ils ont pu faire cela parce qu'ils étaient convaincus de ce que le prophète Osée a proclamé dans la première lecture de ce jour. Dieu leur avait parlé avec tendresse. Il les avait embrassés d'un amour fort pour toujours. พวกลูกต้องการที่จะมีความพร้อมในการที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่พวกเราได้รับน้ำมันที่จะทำให้เรายังคงก้าวเดินไปข้างหน้าและกระตุ้นไปให้เราแสวงหาพระองค์ในทุกสถานการณ์นั้นได้อย่างไรพวกลูกเป็นทายาทของประวัติศาสตร์แห่งการประกาศข่าวดีที่สวยงามยิ่ง ซึ่งได้ถ่ายทอดมาสู่พวกลูกในฐานะที่เป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐอาสนะวิหารอันสวยงามแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์เจ้าของบรรดาบรรพบุรุษของลูกความสัตย์ซื่อที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเหล่านั้นผลักดันให้พวกเขาทำความดีเพื่อจะสร้างพระวิหารอันงดงามยิ่งกว่า เป็นพระวิหารที่ประกอบด้วยศิลาทรงชีวิตเพื่อที่จะนำความรักความเมตตาของพระเจ้ามาสู่ผู้คนในยุคสมัยของเขาพวกเขาเหล่านั้นทำเช่นนี้ได้โดยอาศัยความเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าที่กล่าวโดยประกาศกโฮเชยาในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เราจะพูดกับเขาด้วยความอ่อนโยน เราจะโอบกอดเขาด้วยความรักมั่นคงตลอดไป Queridos amigos, para que el fuego del Espíritu Santo no se apague y para que ustedes puedan mantener Chers amis, pour que le feu de l'Esprit ne s'éteigne pas et que vous puissiez garder vif le regard et le cœur, il faut que vous soyez bien enracinés dans la foi de vos aînés. Parents, grands-parents et maîtres, non pas pour rester prisonniers du passé, mais pour apprendre à avoir ce courage capable de nous aider à répondre aux nouvelles situations historiques. Dans leur vie, ils ont surmonté de nombreuses épreuves et de nombreuses souffrances. Mais en chemin, ils ont découvert que le secret d'un cœur heureux, c'est la sécurité que nous trouvons lorsque nous sommes ancrés, enracinés en Jésus, dans sa vie, dans ses paroles, dans sa mort et sa résurrection. และหัวใจของเราที่มีชีวิตชีวาอยู่เสมอจำเป็นที่เราต้องวางรากฐานให้มั่นคงในความเชื่อเดียวกันกับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายและครูบาอาจารย์ของเราทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกักขังตัวเราเองกับอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วหากแต่เป็นการเรียนรู้ในการที่จะมีความกล้าหาญ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันชีวิตของบรรพบุรุษของเราเป็นชีวิตที่ต้องเผชิญกับการทดสอบ
และความทุกข์ยากมากมายในการเดินทางของเขาพวกเขาได้ค้นพบความลับแห่งการมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยสันติสุขนั่นคือการหยั่งรากลงในพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตและพระวาจาของพระองค์ในการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์ AvesesAlors maintenant, le pape cite son exhortation apostolique « Christus vivit ». J'ai parfois vu de jeunes arbres, beaux, cherchant toujours davantage à élever leurs branches vers le ciel, et qui ressemblaient à un champ d'espérance. Plus tard, après une tempête, je les ai vus tomber, sans vie. Savez-vous pourquoi ? C'est parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de racines. Ils avaient déployé leurs branches sans bien s'enraciner dans la terre. Et ils ont cédé aux assauts de la nature. C'est pourquoi je souffre de voir que certains proposent aux jeunes de construire un avenir sans racines, comme si le monde commençait maintenant. Car il est impossible que quelqu'un grandisse s'il n'a pas de racines fortes qui aident à être bien debout et enraciné dans la terre. Il est facile de se disperser quand on n'a pas où s'attacher, où se fixer, sans ce sentiment solide d'enracinement, nous pouvons être déconcertés par les voix de ce monde qui se disputent notre attention. Beaucoup d'entre elles sont attractives, sont des propositions bien déguisées qui paraissent belles et profondes au départ. Mais avec le temps, elles ne finissent par entraîner qu'un vide, de la lassitude, de la solitude et de l'indifférence, et par éteindre peu à peu cette étincelle de vie que le Seigneur a allumée un jour en chacun. จะเป็นบทเพลงแห่งความหวังแต่หลังจากที่เกิดพายุขึ้นพ่อพบว่าพวกมันได้ร่วงหล่นล้มลงและตายไปเพราะพวกมันปราศจากรากที่ลึกพวกมันของพวกมันแผ่กิ่งก้านสาขาโดยปราศจากการปลูกฝังรากที่มั่นคงและพวกมันก็ล้มลงทันทีที่ธรรมชาติปลดปล่อยพลังออกมานี่จึงเป็นความเจ็บปวดของพ่อที่บางครั้งเห็นบรรดาเยาวชนถูกแนะนำให้สร้างอนาคตที่ปราศจากรากเหง้าต้นกำเนิดที่มาราวกับว่าโลกนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นในเวลานี้เพราะว่าไม่มีทางเป็นไปได้สำหรับพวกเราที่เจริญชีวิตเติบโตขึ้นนอกจากเสียแต่เรามีรากที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุนเราและช่วยให้เรามีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเพราะเป็นการง่ายที่จะล่องลอยไปเมื่อไม่มีสิ่งใดที่ยึดเกาะอยู่ได้หากเราไม่ได้อย่างรากลึกพวกเราอาจจะรู้สึกสับสนเมื่อได้ยินเสียงจากทางโลกที่มีพลังดึงดูดความสนใจของเราสิ่งเหล่านี้จึงมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นและแสดงตัวต่อเราในรูปแบบที่รับการตกแต่งให้สวยงามและมีพลังแต่เสียงเหล่านั้นจะค่อยๆทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าเหนื่อยล้าว้าเหวและหมดเรี่ยวแรงและค่อยๆทำให้ไฟแห่งชีวิตที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าได้จุดให้ลุกโพลงในตัวเรามอดดับลง
Queridos jóvenes, ustedes son una nueva generación. Chers jeunes, vous êtes une génération nouvelle, aux espérances, questions et rêves nouveaux. Vous avez certainement des doutes aussi, mais je vous invite à garder vivante la joie et enraciné dans le Christ, à ne pas avoir peur de regarder l'avenir avec confiance. Enraciné dans le Christ, regarder avec joie et confiance. Cela naît de la conviction de se savoir chercher, rencontrer et aimer infiniment par le Seigneur. L'amitié cultivée avec Jésus-Christ est l'huile nécessaire pour éclairer le chemin, votre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui vous entourent, amis, voisins, compagnons d'études et de travail, y compris le chemin de ceux avec lesquels vous êtes en total désaccord. Allons à la rencontre du Christ Seigneur qui vient. N'ayez pas peur de l'avenir et ne vous laissez pas affaiblir. Au contraire, sachez que là, le Seigneur vous attend pour préparer et célébrer la fête de son royaume. และมีคำถามใหม่ๆอาจรวมถึงความสงสัยต่างๆอีกด้วยพ่อขอเชิญชวนให้พวกลูกรักษาความชื่นชมยินดีให้มีชีวิตชีวาจงอย่ากลัวที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นจงยังรากลึกลงในพระเยซูคริสต์จงมองอนาคตด้วยความชื่นบาน และด้วยความไว้วางใจประสบการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกทราบว่าพระเจ้าได้ทรงแสวงหาลูกทรงพบลูกและทรงรักลูกตลอดนิรันดร์มิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับการทำนุบำรุงนั้นคือน้ำมันตะเกียงที่เราต้องการเพื่อส่องแสงสว่างหนทางของเรา และของคนรอบข้างเราคือบรรดามิตรสหายเพื่อนบ้านนักเรียนรุ่นเดียวกันเพื่อนร่วมงานรวมทั้งบรรดาคนเหล่านั้นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากพวกลูกด้วยจงไปพบพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้กำลังเสด็จมาอย่ากลัวอนาคตอย่าท้อแท้แต่จงเชื่อใน พระองค์กำลังรอคอยและกำลังจัดเตรียมเพื่อที่จะร่วมงานฉลองแห่งพระอาณาจักรสวรรค์พร้อมกับลูกทุกคน Voilà, c'est ainsi que s'achève l'homélie du pape François en la cathédrale de l'Assomption à Bangkok, où il célèbre actuellement la messe pour les jeunes. Au deuxième jour de son voyage apostolique en Thaïlande. Le pape a donc lancé un appel aux jeunes à l'enracinement dans le Christ. Il s'est appuyé sur l'évangile du jour, c'était la parabole des 10 vierges, en expliquant que si les vierges, certaines d'entre elles, se voient fermer la porte de la salle des noces, c'est donc parce qu'elles n'ont plus de lampe dans leur elles n'ont plus d'huile, pardon, dans leur lampe. Parce qu'elles se sont laissées décourager par les obstacles. Il a appelé les jeunes à rester donc enraciné dans le Christ, comme le demande saint Paul d'ailleurs dans la lettre aux Colossiens.
Sans ce sentiment solide d'enracinement, a dit le Saint-Père, nous pouvons être déconcertés par les voix de ce monde qui se disputent notre attention et qui finissent par entraîner un vide, de la lassitude. Et à éteindre cette étincelle de vie que le Seigneur a allumée un jour en chacun. Le pape a invité les jeunes à garder vivante la joie et enracinée dans le Christ à ne pas avoir peur de regarder l'avenir avec confiance. L'amitié cultivée avec Jésus-Christ, a-t-il expliqué, est l'huile nécessaire pour éclairer le chemin. My brothers and sisters, let us join our voice to that of the Lord Jesus and implore from the Father salvation, life and every blessing. Et la célébration de la messe continue, donc le Saint-Père s'exprime en anglais. On entend aussi, on a entendu jusqu'à maintenant beaucoup de thaïlandais. Et c'est à présent la prière universelle. Qui est lu par différentes personnes. La première intention est pour le pape François, nos évêques et nos prêtres, qu'ils puissent guider leurs troupeaux sur les chemins du bien et de la vérité, pour les rendre plus proches de l'amour de Dieu. Le refrain « Seigneur, écoute notre prière ». Pour l'Église catholique en Thaïlande, à l'occasion du 350e anniversaire du vicariat apostolique de Siam, que nous puissions grandir en charité, en unité et toujours aider la population thaï dans sa recherche de la vérité et du bonheur. Pour ceux qui travaillent et qui sont surchargés, que le doux cœur de notre Sauveur apporte le repos à leur âme. Pour tous les jeunes, pour que, remplis de la puissance de l'Esprit Saint, ils puissent vivre avec une foi forte et adopter un mode de vie qui serve le Seigneur de tout cœur, sans réserve. Pour nous présents à cette célébration, pour que nous puissions vraiment former un seul corps, de même que nous partageons dans le Christ le pain vivant pour le ciel. Alors ces différentes intentions ont été lues par des jeunes. Certains de différentes ethnies thaïlandaises et qui portaient de très beaux costumes traditionnels. La dernière jeune fille s'est d'ailleurs exprimée en langue Hakka. À présent commence la liturgie eucharistique.
et les offrandes sont portées à l'autel par des jeunes. Qui représente toute la richesse des différentes cultures thaïlandaises. La cathédrale de l'Assomption est bien sûr pleine. Et environ 10 000 fidèles sont présents également à l'extérieur de cette cathédrale. Et vous pouvez maintenant entendre le chant de l'offertoire interprété en thaïlandais. Les jeunes qui portent les offrandes pour qu'elles soient bénies par le Saint-Père sont donc vêtus de tenues traditionnelles vraiment magnifiques avec des couleurs très vives, du violet, du bleu, du rouge, brodées de perles, finement brodées en soie. Les jeunes hommes portent parfois des sortes de bonnets.
Voilà, c'est la liturgie eucharistique qui va à présent commencer. May the offering we bring in the celebration of Saint Cecilia win you gracious acceptance, O Lord, we pray. Just as the star of her suffering and passion was pleasant to you, through Christ our Lord. Amen. Sur son corda. Gracias hagamos, Domino Dios nostro. Verdigno ne justo ne est, e cun et salutare, nos tibi sempre le tu vica gracias agere. Domine, Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, coni ambiate martis Cecilie, pro confessione nominis tui, ad imitazione in Christi, sanguis effusus tua mirabilia manifesta, cui superficis in fragilitate virtutem et vires in firmus a testimonium roboras per Christum Dominum nostrum. Et idio, concelorum virtutibus, in terris te iugiter celebramus, maestate tue sine fine clamantes. Vous entendez actuellement le Sanctus et le pape prononcera ensuite la prière eucharistique numéro 2. En cette mémoire de Sainte Cécile, vierge et martyr du 3e siècle après Jésus-Christ. Sanctus es Domine, fons omnis sanctitate. Ec ergo Domine, Spiritus tu errore sanctifica, quod nobis corpus et sanguis fiant dilettissimi nostri Iesu Christi. Qui con passioni volontarie et traderetur, acceptis panem et gratias agens fregit, dedicque discipulis suis, dicit, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Concenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, deri discipulis suis dicem, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis secundetur, in remissionem peccatorum. O facite in mea commemorazione.
resurrectionis eius, tibi domini panem vitae, et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos auguisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices te precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Santo congregemur in unum. Recordare, Domine, ecclesiae tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et me indigno famulo tuo, et universo clero. Memento est iam fratum nostrorum, qui in spes resurrectionis domi erunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nosum quesumus miserere, et cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Joseph, eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, Eterne vitae memoriamu esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Assai pro Christa jam, promca pro Christa jam, lenai pro Christa jam, the servers command and formed by the divine teach without to say. Et maintenant le chant du Notre Père en thaïlandais. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of the mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ,
said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not in our sins, but on the faith of the Church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord with you always. Let us offer each other the sign of peace." Voilà l'assemblée qui s'échange un signe de paix et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous auraient rejoints. Vous suivez actuellement la messe célébrée par le Saint-Père en la cathédrale de l'Assomption à Bangkok. Messe célébrée pour les jeunes catholiques du pays. Alors les Thaïlandais, pour s'échanger le signe de paix, ne se serrent pas la main, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Ils joignent les deux mains devant eux et ils s'inclinent légèrement. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but I will say the word and my soul shall be healed. Voilà, la communion commence à être distribuée à l'extérieur de la cathédrale où sont rassemblés environ 10 000 fidèles, donc à l'extérieur. L'intérieur de l'église étant lui aussi très rempli. Il est 11h50 ici à Rome, 17h50 à Bangkok, où le Saint-Père achève la deuxième journée de son voyage apostolique qui le conduira dès demain au Japon, la deuxième étape de ce 32e voyage. On peut revenir un peu sur le déroulement de cette journée qui a commencé pour le pape par une rencontre avec les séminaristes, les religieux, religieuses, les catéchistes du pays, dans un sanctuaire au nord-ouest de Bangkok, dédié au bienheureux martyr Nicolas. Le pape a encouragé le clergé thaïlandais à inculturer davantage l'évangile, incitant toute l'assemblée à sortir de soi-même, à prier et à trouver des moyens de mieux transmettre cette parole de Dieu. Le pape a dit à ce clergé de ne pas céder à la tentation de penser que vous êtes peu nombreux
pensez plutôt que vous êtes de modestes instruments dans les mains créatrices du Seigneur. Le Seigneur écrira progressivement par vos vies les meilleures pages de l'histoire du salut dans ce pays. Des paroles d'encouragement donc aux Thaïlandais, là où les catholiques représentent moins d'1% de la population. 380 000 personnes environ. Ensuite, le Saint-Père a rencontré les évêques en fin de matinée, les évêques de Thaïlande et certains de la Fédération des conférences épiscopales asiatiques. Il les a encouragés à suivre les traces des premiers missionnaires du pays et leur a donné plusieurs conseils sur la manière de diriger leurs églises, dans un contexte qui est toujours missionnaire, puisque en Asie, 85% des personnes ne sont pas baptisées. C'est donc le terrain idéal pour les missionnaires d'aujourd'hui. Le pape a expliqué que oui, il y a des structures et des mentalités ecclésiales qui peuvent conditionner négativement le dynamisme évangélisateur. Mais il y a aussi des bonnes structures qui sont utiles quand une vie les anime, les soutient et les guide. Les apôtres, leur a-t-il rappelé, n'ont pas attendu qu'une culture soit compatible ou s'accorde facilement avec l'Évangile. Au contraire, ils se sont plongés dans ces nouvelles réalités, convaincus de la beauté qu'elles recelaient. Voilà un encouragement fort à l'inculturation et à la confiance pour l'annonce de la bonne nouvelle. Ensuite, en fin de matinée, le pape est allé rencontrer les jésuites de Thaïlande, une rencontre privée qui a eu lieu avant son déjeuner à l'annonciature apostolique. Et puis donc en début d'après-midi, le Saint-Père s'est rendu à la Chulalongkorn University, donc qui est la plus ancienne université de Thaïlande, et là a eu lieu une rencontre avec les représentants des différentes religions du pays. Un pays en majorité bouddhiste. Et puis donc, dernier rendez-vous de cette journée, la messe à la cathédrale de l'Assomption de Bangkok. Messe avec les jeunes, pendant laquelle le pape a encouragé ces jeunes Thaïlandais à rester enracinés dans le Seigneur. Et à s'appuyer aussi sur la foi de leurs aînés. Ils sont exemplaires car ils ont surmonté de nombreuses épreuves et de nombreuses souffrances. Mais dans la vie de Jésus, dans ses paroles, dans sa mort et sa résurrection, ils ont su puiser le secret d'un cœur heureux. Chers jeunes, vous êtes une génération nouvelle, aux espérances, questions et rêves nouveaux. Vous avez certainement des doutes aussi, mais je vous invite à garder vivante la joie et enracinée dans le Christ, à ne pas avoir peur de regarder l'avenir avec confiance. Voilà les paroles adressées par le pape aux jeunes, il y a quelques minutes. Avant même d'aller à sa recherche, nous savons que le Seigneur nous cherche, qu'il vient à notre rencontre et nous appelle à travers les vicissitudes d'une histoire à bâtir, à créer et à inventer. Alors il faut savoir que la Thaïlande n'est pas un pays si jeune. Sa démographie le rapproche même le pays du Japon. Les jeunes, les moins de 25 ans, représentent à peu près
30% de la population, mais le taux de natalité s'est littéralement effondré en quelques années. Il a chuté de 75% entre 1960 et 2017. Il est actuellement égal à 1. Donc voilà, un pays vieillissant où un quart de la population aura plus de 65 ans en 2040. C'est donc un véritable défi. Alors, à la fin de cette messe, vont s'exprimer le cardinal archevêque de Bangkok, président de la conférence épiscopale de la Thaïlande. Et ensuite, nous entendrons un bref salut du Saint-Père. Les évêques et prêtres sont évidemment venus nombreux pour cette messe. Ils entourent le pape. Et maintenant, le Saint-Père va bénir l'assemblée. Acclame among the saints for her triumphal triumph of virginity and martyrdom. And we pray to the power of his sacrament that bravely overcoming every evil we may attain the glory of heaven. Through Christ our Lord. Alors non, ce n'était pas la bénédiction, c'était simplement la prière après la communion. Et maintenant donc, nous entendons le cardinal archevêque de Bangkok. Très Saint-Père, ce soir, ici dans la cathédrale de l'Assomption, sont réunis avec vous les jeunes de l'Église catholique thaïlandaise à l'occasion de la Sainte Messe qui conclura votre visite apostolique en Thaïlande pour le 350e anniversaire de la fondation de la mission catholique de Siam. Les jeunes, dans leur pèlerinage de foi, sont toujours dans votre cœur. Parce qu'ils sont le présent et le futur de l'Église et de la société. Ils sont l'aujourd'hui de Dieu. Et l'Église catholique en Thaïlande croit que les jeunes auront un rôle très important dans la nouvelle évangélisation. Pour cela, l'Église s'engage dans leur formation pour qu'ils deviennent responsables, pour qu'ils soient en mesure de participer pleinement à la vie de l'Église et qu'ils aient de plus grandes capacités de discernement au milieu de rapides changements sociaux qui concernent la religion.
À cette occasion, vous avez exprimé votre amour et votre préoccupation pour eux. Vous l'avez fait lors de vos visites pastorales, pendant la Journée mondiale de la jeunesse et celle qui a eu lieu en Asie, pendant le synode des évêques sur les jeunes et dans votre récente exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit. Vous leur avez montré le visage jeune de Jésus et son amour pour eux, toujours nouveau. Vous nous exhortez à les écouter et à les guider dans leurs rêves et dans les décisions qu'ils prendront dans leur vie. Vous réussissez à motiver leur inspiration et à les accompagner dans le discernement de leur vocation. Sainteté, voici venu le moment de vous remercier pour ces jours merveilleux et très beaux qui ont été ceux de votre visite apostolique en Thaïlande, qui s'est déroulée cette année, en 2019, à l'occasion du 350e anniversaire de l'institution du vicariat apostolique de Siam. Au nom de tous nos membres, les fidèles catholiques, les personnes consacrées, les religieux, les prêtres, les évêques, tous les citoyens thaïlandais de bonne volonté, je souhaite que notre remerciement puisse se transformer en action et en vie, en rendant grâce surtout à Dieu et ensuite à vous, Saint-Père, parce que votre vie est pour nous tous le témoignage concret de l'amour de Dieu. Ainsi, à partir de ce moment, l'Église catholique en Thaïlande, pas après pas, jour après jour, se transformera en une communauté témoin d'une humanité fraternelle, inscrite dans le temps actuel et modelée selon la relation qui, en soi, est inspirée de la vie même de la Trinité, avec le nouveau commandement de l'amour réciproque. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme cela se passait dans la première communauté chrétienne à Jérusalem. Que chaque lieu dans lequel le Christ ressuscité est présent au milieu de ses disciples, quand deux ou trois sont réunis ensemble, devienne un signe utile pour l'évangélisation du monde d'aujourd'hui. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Voilà, c'était le message du cardinal Kovitavanij, archevêque de Bangkok et président de la conférence épiscopale thaïlandaise, qui vient de saluer le pape. Et le pape lui aussi lit un mot de remerciement. Au terme de cette célébration, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible ma visite en Thaïlande, ainsi que ceux qui ont collaboré à sa réalisation. Je renouvelle ma gratitude à Sa Majesté le roi Rama X, au gouvernement et aux autres autorités du pays pour leur accueil chaleureux. Je remercie de tout cœur mes frères évêques, en particulier le cardinal Francis Xavier, afin que les prêtres, les religieuses et les religieux, les fidèles laïcs et surtout vous, mes chers jeunes, une sincère gratitude aux volontaires qui ont apporté une contribution si généreuse.
ainsi qu'à tous ceux qui m'ont accompagné de leurs prières et de leurs sacrifices, surtout les malades et les détenus. Que le Seigneur les récompense en leur accordant la consolation et la paix que lui seul peut donner. Et je vous confie cette tâche. N'oubliez pas de prier pour moi. Merci beaucoup. Alors, ce mot de remerciement du pape, comme l'homélie, est traduit en thaïlandais. ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้การมาเยี่ยมเยือนราชอาณาจักรไทยของพ่อในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพ่อขอกล่าวขอบพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทั้งคณะรัฐบาลและผู้นำบริหารทั้งหลายของประเทศ สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและอย่างดียิ่งพ่อขอขอบใจจากก้นบึ้งของหัวใจของพ่อเองต่อบรรดาพี่น้องบิชอปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระคาร์ดินัลฟรานซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โควิดวานิชพร้อมทั้งบรรดาบาทหลวงนักบวชชายหญิงนักพรตคารวาส และเป็นพิเศษสำหรับพวกลูกๆเยาวชนทั้งหลายขอขอบใจบรรดาอาสาสมัครที่ได้ร่วมมือช่วยเหลือด้วยใจกว้างขวางและขอขอบใจบรรดาผู้ที่ได้มีส่วนร่วมกับพ่อในการภาวนาและในการพลีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดภาวนาและการพลีกรรมของบรรดาผู้ป่วยและผู้ต้องกักขอพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนความมีน้ำใจดีของพวกเขาด้วยความบรรเทาใจและสันติสุขพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ประทานให้ได้และขอฝากภารกิจอีกประการหนึ่งนั่นคืออย่าลืมสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วยขอขอบใจ Voilà, le Saint-Père va maintenant bénir l'assemblée. The Lord be with you. Blessed is the name of the Lord. Our help is the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Voilà, les premières notes du chant d'envoi s'élèvent maintenant dans la cathédrale de l'Assomption, où s'achève la messe célébrée par le Saint-Père avec les jeunes catholiques de Thaïlande. Beaucoup applaudissent au passage de la procession finale. Le Saint-Père va maintenant rejoindre la sacristie de la cathédrale où il bénira 25 pierres qui serviront à la construction de nouvelles églises de Thaïlande.
Et ensuite, il saluera quelques personnes qui travaillent pour l'évêché de Bangkok. Il rejoindra ensuite la nonciature apostolique, où il dînera. Puisqu'il est maintenant 18h10 en Thaïlande. Et puis demain matin, le pape partira pour le Japon. Donc à 9h15 heure de Rome, commencera la cérémonie de départ à l'aéroport de Bangkok, l'aéroport militaire. À 9h30, c'est-à-dire à 3h30 pour l'heure de Rome, l'avion du pape décollera pour Tokyo, où il arrivera à 17h40, heure locale, heure de Tokyo. Et ensuite, en fin de journée, donc à peu près une heure après avoir atterri, le pape rencontrera les évêques japonais à l'Annonciature apostolique de Tokyo. Actuellement, le pape, donc, qui est à la cathédrale de l'Assomption, prend le temps de saluer quelques fidèles qui lui offrent des cadeaux. Il se trouve près d'une jeune fille qu'il a essayé de consoler. Elle pleure. Voilà, des moments très touchants. Salue un jeune handicapé. Le pape prend vraiment le temps avec ces jeunes Thaïlandais qui viennent le saluer. Il y a de nombreux handicapés, il les bénit, il les prend dans ses bras. Voilà, beaucoup de douceur et de compassion dans ces moments. À présent, vous pouvez entendre les jeunes qui acclament le pape. Dans l'assemblée, beaucoup sont vêtus de costumes traditionnels. On peut donc penser qu'ils sont venus de loin, pas seulement de Bangkok, mais ils sont venus vraiment des quatre coins du pays, souvent des régions montagneuses où se trouvent différentes ethnies, pour assister à cette messe. Voilà, beaucoup de joie au passage du Saint-Père. Les jeunes se penchent vers l'allée centrale pour tenter de saluer François. Avec beaucoup de joie et beaucoup de respect aussi. Et le pape sort maintenant de la cathédrale de l'Assomption à Bangkok, où de très nombreux fidèles attendent. Ils sont environ 10 000. Et c'est ainsi que s'achève
cette retransmission. J'étais très heureuse d'être avec vous. Je salue nos auditeurs du réseau EWTN et Radio Espérance. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Vous nous retrouverez dimanche dans la nuit à 2h15 pour la retransmission du passage du pape à Hiroshima, puis Nagasaki. Là au détour, Jésus Christus, loué soit Jésus Christ.